L'important, c'est une coopérative d'intérêt collectif qui fabrique des t-shirts en grande série en lin bio près de Caen, en Normandie. Le t-shirt en lin bio, c'est un produit qui est super parce qu'on a à la fois la solidité du lin et puis il y a le plombé du lin et c'est vraiment un produit qui est très agréable à porter. La première, c'est l'environnement. On en a marre de porter des vêtements qui polluent la planète. Le deuxième aspect, c'est le social. On en a marre aussi d'avoir des vêtements qui sont fabriqués par des gens dans des situations d'esclavage moderne. Et donc là, on va fabriquer localement. Et la troisième valeur, c'est l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas à maximiser le profit de quelques investisseurs. Ce qu'on cherche, c'est à construire quelque chose qui soit durable. Construire un débouché local et pérenne qui permette aux agriculteurs de se projeter pour convertir vers l'agriculture biologique leur filière de lin textile. Et d'autre part, de permettre à chacun de s'habiller avec un produit écologique, avec un produit responsable. Le projet est construit sur une base de travail de 100 000 t-shirts par an, ce qui représente à peu près une trentaine d'hectares de lin bio chaque année et une quinzaine d'emplois. Sur le territoire près de Caen. On a une demande très très forte sur les produits made in France et qui font du sens, donc on s'attend à aller un peu plus vite au-delà de ces objectifs-là. Et petit à petit, on va développer la fabrication, donc la partie confection, puis la coupe et puis le tricotage avec des métiers circulaires pour partir du fil jusqu'au produit fini. C'est une année d'accompagnement et ça a quelque chose de super quand on démarre un projet qui est un peu ambitieux, de pouvoir échanger avec des différentes personnes pendant cette période où on travaille sur le projet, où on se pose plein de questions. Ça permet d'interroger le projet, de braquer un projecteur avec un angle particulier, puis un autre projecteur avec un autre angle. On est beaucoup plus sûr de soi ensuite quand on peut lancer le projet et rencontrer des investisseurs, rencontrer des partenaires, recruter, etc. Je suis un catapulté, mais ça fait pas mal.